Noël sous les arbres, mais aussi Noël dans les arbres. C'était la journée festive organisée par l'Office du tourisme de l'Ouest. Cette 5e édition a eu lieu dans l'écrin du parc boisé du port. J'ai envie d'aller dans l'arbre là pour pouvoir faire un peu d'escalade parce que c'est pas tout le temps que je peux en faire. Et t'as pas peur ? Non, d'habitude j'ai un peu le vertige mais là ça va, c'est pas très haut. Cet îlot proposait aux enfants et aux grands toutes sortes d'activités créatives, ludiques et même gastronomiques. Et surtout sans écran. C'est pour les enfants ou pour les grands ? Pour les mamans aussi. Pour les grands aussi. On s'amuse tout autant. Tout autant. Tout est orienté sur justement le manuel, les ateliers, la création, la créativité. Le fait qu'on soit dans une période qui soit très favorable justement aux décorations, aux idées de cadeaux. Donc fait que voilà, les enfants en fait ont la possibilité de créer des petits cadeaux ou des décorations à mettre sous le sapin, tout simplement. Des sapins à réaliser avec les pages d'un livre ou en cire, comme le proposait le jardin de Polo. Ça, c'est un sapin en bougie. C'est fabriqué avec quoi, ce sapin ? Avec de la cire. De quoi ? Je sais pas. La cire d'abeille. La cire d'abeille. Un atelier musique laissait libre cours à l'improvisation sur des instruments faits de matériaux de récupération. Toutes sortes de jeux, d'adresses en bois et un spectacle de cirque avec magiciens, clowns et jongleurs. Tout pour rendre heureux enfants et parents. C'est bien organisé, la bien rendre le parc boisé surtout. La vie dans les forces de l'ordre sont là, les bons, les bien sécurisés. Je me disais qu'une animation comme ça, ça devait être super sympa. Et effectivement, tous les petits ateliers de création et les spectacles, c'est vraiment chouette, très belle animation. Un enthousiasme qui a bien sûr fait l'unanimité chez les plus petits. Qu'est-ce que tu préfères, toi ? Un sapin de Noël. Il est où ? À la maison. Moi j'ai adoré tout, j'ai tout adoré.